coucou tout le monde. Oh, je vais galérer à vous faire la bise. Il est 6h19. Aujourd'hui, je vais reproduire la morning routine de Millie Bobby Brown. À l'occasion de la sortie de la saison 4 de Stranger Things. Bon, normalement, Millie, elle se lève à 6h quand elle a un tournage. Mais moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, on était en journée off. Du coup, j'avais mis mon réveil à 7h20. Et finalement, je suis levée depuis 5h30. Bon, du coup, il n'y a plus personne chez moi. Il est 6h49. Je vais ouvrir mes volets. Il fait pas très beau. Une vidéo où je suis une morning routine, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. À la base, je voulais tester Zendaya, parce que cette actrice, je l'aime beaucoup. Donc Zendaya, ça avait déjà été fait, et j'avais déjà fait tout mon plan de ce que j'allais faire, parce que j'avais trouvé un forum où il y avait tout. Et j'ai regardé, enfin j'ai trouvé une vidéo d'une fille qui faisait ça. Donc j'étais un peu deg. Il est donc maintenant 6h53, et la première chose qu'elle fait, en général, c'est qu'elle boit un verre d'eau, ou du thé, je crois. Je vous cache pas que j'aurais bien bu un café. Mais l'eau, il n'y a pas de souci parce que j'en bois tous les matins. C'est la première chose que je fais quand je me lève. Donc ça m'arrange, quoi. Après, je vous cache pas que j'ai quand même un peu creusé pour trouver des informations. Soit des informations étaient bien différentes, ou soit ça a été, mais il n'y avait pas non plus énormément de choses. Oh non! Et d'ailleurs, vous allez sûrement vous demander, mais pourquoi c'est dans le noir, parce que je vais être dans le noir toute la journée. Mais c'est parce qu'il y a des personnes pour mon extérieur, enfin mon jardin qui viennent. Et c'est pour pas que mon chien les voit et aboie. Ça va? Ensuite, ce qu'elle fait le matin, c'est qu'elle va venir s'étirer, faire du yoga pour garder un rythme de vie qui va être sain parce qu'elle est aussi mannequin, si je me trompe pas. Enfin, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Donc, je vais aller sur YouTube parce que je ne sais pas faire de yoga ni des étirements. Donc, je vais regarder. Se met sur un pied en avant et la jambe tendue en arrière. Je ne sais pas faire le grand écart. Je me souffle en fait. Yoga. Inspirez. 2, 3, 4, 5, 6. Maintenez. 2, 3. Expirez. 2, 3, 4, 5. La manière dont on va voir les choses, merci pour toute la beauté de ce monde. Je vais les porter à mes lèvres aussi pour remercier en fait de pouvoir porter ma voix. Je vais le porter sur le cœur aussi pour remercier l'amour qui est partout dans le monde, tout simplement. On va dire trouver un moment d'émerveillement dans votre journée, c'est-à-dire vous mettre en mission d'aller trouver n'importe quel moment d'émerveillement dans votre journée et de l'observer pleinement et le soir de rentrer par exemple et de l'écrire dans vos journaux de gratitude. Le yoga, les étirements de Millie dès le matin. Après, je sais pas exactement ce qu'elle fait parce que j'ai pas trouvé d'informations précises. J'ai juste vu que le matin, ce qu'elle faisait, c'était des étirements et du yoga pour gagner, enfin, pour avoir. Un rythme de vie qui reste pas sain. Et en fait j'ai pensé, mais là ça fait longtemps que vous avez pas vu des vidéos. Et en gros vous allez vous dire, mais la meuf elle revient comme ça, pump it up, elle dit rien. J'ai expliqué pourquoi j'étais pas là dans ma vidéo qui sort dimanche, que j'ai commencé hier. En gros c'est juste j'avais plus l'ordinateur. Bon, finalement il est 9h25, youhou. Et il pleut. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle prend au petit déjeuner du coup, Millie Bobby Brown? Quand je l'ai dit comme ça. Tout ce que j'ai pu trouver, elle prend du lait qui est faible en gras. Alors moi j'ai du lait normal, déjà j'aime pas le lait. Enfin boire du lait comme ça je n'aime pas du tout. Et après j'ai pas trop compris, elle prend deux blancs d'œufs. Elle les fait cuire comme une omelette, ce que je ne sais pas en fait. Pourquoi tu mets pas des jaunes? Je n'ai pas compris. Donc je vais me faire des œufs si ça ne vous dérange pas parce que j'ai pas une paire de lait jaune. Et des fruits. C'est parti. Tic tic tic. La fille ne respecte rien. Ça on lui dit c'est deux blancs d'œufs. La fille elle met ses jaunes, elle prend du lait normal. On dirait pas Ratatouille en chat. Voilà. Ok, on va prendre une pomme et je vais l'éplucher pour une fois. Voilà. Trop satisfaisant. Pour avoir de la force, hein, pas comme moi. Super satisfaisant. Donc bah, ce sera plus des œufs au plat là. Désolée. Ce sera des œufs brouillés. C'est parti! D'ailleurs, dites-moi si vous avez regardé Stranger Things.
Mais déjà un peu vos avis sur la saison 4, parce que ça fait quand même depuis 2019 qu'on attendait. Je vais vous donner un peu mon avis sur les personnages de la saison 4. Déjà, la base des bases, personnage préféré, j'adore Hopper. Hopper, Steve, je les aime beaucoup. J'aime bien Joyce aussi, elle est trop rigolote. J'aime beaucoup aussi celui qui aide Joyce. Après, bah, j'aime bien 11. C'est pas mon personnage préféré, mais j'aime bien. Mon avis sur la saison 4, déjà, je suis déçue d'avoir vu personne ensemble réellement. Je pensais qu'ils allaient tous se retrouver, que 11 allait retrouver son père, justement, Hopper, du coup. J'ai hâte, par contre, de voir la suite. On va savoir. Les gars, je peux pas. C'est trop là. Je peux pas. Non, tout ça. Je n'en peux plus là. Je suis au bout. Je vais faire la vaisselle. Et du coup, je vais juste mettre ma crème pour le visage si c'est la CeraVe. Bon, en général, dès que je me lève, c'est la première chose que je fais. Mais bon, ça se trouve finalement elle aussi. Mais franchement, il n'y avait pas d'infos là-dessus. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je teste deux morning routines, hein, deux stars. Mais pas qui ont déjà été faites, parce qu'il y en a plein qui ont déjà été faites. Du coup, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai trouvé une routine make-up assez naturelle qu'elle fait. Faut savoir que je suis nulle en maquillage. Enfin, je fais le truc le plus simple du monde, c'est-à-dire que je mets mon correcteur, enfin je fais mes sourcils, mes cils, et je mets du correcteur et de la poudre, du blush et de l'highlight. Je vais pas chercher plus loin, enfin c'est tout simple quoi. Alors elle utilise un sort de pinceau pour ses sourcils. Il y a une mouche dans ma chambre, je quinquame. Personnellement j'ai pas ça. J'ai un truc tout simple, c'est un crayon à sourcils quoi. Et elle les remplit pas tellement. Enfin, moi je les dessine en entier parce que j'ai pas de sourcils. Je vais les faire moins épais que d'habitude, je pense. Je vais juste repasser. Là, je vous jure, c'est vraiment fait vite fait. On dirait pas, on dirait qu'il est foncé, mais en vrai, il est pas du tout foncé. Enfin. Déjà, on fait dans le même ordre parce que je fais mes sourcils, mes cils après mon teint, et elle fait pareil du coup. Really hard to make. I could never find a clean mascara and that's why I decided to make one. This is the Like a Like. Le problème c'est que j'en mets 3 des mascaras. J'en mets 3 sinon ça me fait pas des beaux cils. Mais vas-y, je vais en mettre qu'un seul pour faire comme elle. Ouais, bon. Voilà. Sinon, en général, comme mascara que j'aime bien, si j'ai celui-là, mais en fait c'est qu'il n'y en a plus, il est vide. Il est tout seul en plus. C'était le Sky High de Maybelline. Il est top. Oh non. Elle met du fond de teint. J'aime pas le fond de teint. C'est plus ma teinte. Enfin, j'ai un peu quand même bronzé depuis. C'est ma teinte d'hiver. Voilà, elle dit qu'elle met deux pompes. Ça va pas du tout être ma teinte. Elle est allée avec ses mains. Elle a pas de bouton aussi. Je vais me laver les mains. Ce soir, elle a pas de bouton. Sa peau, elle est toute lisse. Oh, c'est pas ma teinte. Donc, je mets de la crème solaire. Je vais mourir. Concealer. Voilà, c'est ça que je mets, c'est le Tarte. Teinte 125. Bah, les taches de rousseur. Ok, elle utilise son blush pour les lèvres aussi. Après, c'est un blush crème. Mon blush, c'est le même depuis 6 ans, quoi. Ouais, c'est celui-là, mais il est un peu sale. Du coup, j'ai un peu honte. Elle fait avec les mains aussi. Je mets de la peinture. On dirait un clown. Je suis allée me laver les mains et me brosser les dents. Et je mets du gloss. Ah, mais il y a une couleur. Est-ce que j'ai un gloss teinté? Ah, mais si, j'ai gloss Fenty. J'ai celui-là. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas mis du gloss. En fait, souvent, j'en mets, mais juste le temps d'une vidéo. Mais j'adore les Fenty parce qu'ils sentent vraiment trop bon. Ok, alors, sa morning, enfin, sa make-up routine, elle est pas trop différente de la mienne. Honnêtement, on fait les mêmes choses. Enfin, le petit point par contre, que vraiment je peux pas, c'est le fait de ne pas mettre de poudre. Je sens que ma peau, elle est pas fixée, elle est pas mate, elle est. Et bah voilà quoi, elle est toute brillante. Sinon, après en soi, c'est hyper naturel donc ça va. Aussi, j'avais essayé de trouver des tenues que je pouvais reproduire. Mais c'est assez compliqué parce que bah souvent, c'est des tenues de. Quand t'as fait des shootings, etc. Du coup, on va essayer de s'habiller un peu comme elle. Il y avait cette tenue parce que j'ai à peu près la même jupe. Même si je suis sûre à 125, elle n'ira jamais. Et sinon, il y avait celle-là. Parce que j'ai le blazer kaki qui va avec. Zero van, je sais absolument pas où se trouve la jupe et le blazer. Mais j'ai trouvé une solution. Je suis persuadée que ça va être moche. Mais bon, c'est pas grave. Une robe kaki, parce qu'elle porte une robe kaki. Bon, c'est ma seule robe kaki et j'ai pas beaucoup de robes. J'ai un blazer kaki
qui va avec, enfin qui va pas avec du tout, mais que je vais mettre avec. Vous êtes autorisé à rigoler. Il y a un qui va. En soi, ça va pas parce que regardez là, déjà il y a un bouton noir, enfin ça va pas. Et après, c'est la coupe de la robe qui ne va pas avec la coupe de la veste. Enfin, en gros, les deux ensemble, c'est moche. Ouvert, c'est peut-être mieux, mais enfin les boutons là, c'est pas beau. Mais je pense une robe blazer comme ça doit être trop canon par contre. Sinon j'ai des bottines parce qu'elle a des bottes. Des bottes, j'en ai aussi. Mais elles sont un peu grandes. Tadam, super. Trop beau. M'autoriser à enlever. Oh, on dirait les mères. Genre une mère. Ou les profs. Dans les couloirs. Qui montent les escaliers genre. Il est midi et demi. Il est temps de passer à la dernière étape de cette morning routine. Millie, elle mange assez sainement, donc toujours pour rester dans un rythme de vie qui est assez sain. Ce que j'ai noté, c'est qu'elle mangeait souvent du riz, du poisson qui est grillé. J'ai du poisson, c'est du saumon que je devais manger hier avec le riz. Donc je me suis dit, ah, ça tombe à pied parce qu'elle mange riz saumon. Bon, il y a aussi des fois des légumes, mais bon, je sais pas. Voilà, récemment, ça fait que j'ai vraiment pas faim. Si je le mange pas ce midi, ben on va le perdre et c'est vraiment pas bon. Enfin, j'ai pas le perdre. Ce qui est cool, c'est que j'ai rien à cuisiner parce que j'ai déjà tout fait. J'ai du gloss. J'ai pas envie de m'asseoir. Je vais manger debout. Non, ouais, j'ai pas faim. Je ne peux plus. Voilà, la morning routine s'arrête maintenant. N'hésitez pas à me donner des petites idées de vidéos si jamais, ou des morning routine de stars, enfin avec quelle star vous voulez que je fasse. Voilà, au pire. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi je vous fais plein de bisous et les étrangers. Bye bye.